Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la conjugaison du conditionnel présent. Rappelons d'abord la valeur de ce temps. Le conditionnel présent est utilisé pour exprimer un souhait, une condition ou une supposition. En ce qui concerne la conjugaison des verbes des premiers groupes et deuxième groupe, il suffit de prendre le verbe à l'infinitif et de rajouter les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT. IONS, IEZ, AINT. Voyons ceci à travers l'exemple d'un verbe du premier groupe, le verbe aimer. J'aimerais, tu aimerais, elle aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient. Et maintenant, un verbe du deuxième groupe, le verbe grandir. Le principe est le même. On prend l'infinitif du verbe, ici grandir, auquel on ajoute les terminaisons du conditionnel. Je grandirai, tu grandirais, elle grandirait, nous grandirions, vous grandiriez, il grandirait. Enfin, prenons les verbes du troisième groupe. Attention, au troisième groupe, le radical des verbes peut être très différent. Pour le verbe être, ce sera SER. Je serai, tu serais. Il serait. Nous serions. Vous seriez. Elle serait. Pour le verbe avoir, ce sera AUR. J'aurai. Tu aurais. Il aurait. Nous aurions. Vous auriez. Elles auraient. IR pour le verbe aller. J'irai. DIR pour le verbe dire. Tu dirais. FER pour le verbe faire, il ferait. POURR pour le verbe pouvoir, nous pourrions. VOUDR pour le verbe vouloir, vous voudriez. Et enfin, VERR pour le verbe voir, elle verrait. Il faut connaître par cœur ces verbes du troisième groupe pour savoir après quel radical il faut ajouter les terminaisons du conditionnel. Il est important de rappeler que le conditionnel permet d'indiquer dans un texte conjugué au passé qu'un événement se situe après celui écrit au passé. Par exemple, dans la phrase « Les vacanciers espéraient qu'après la pluie viendrait le beau temps », le premier verbe est conjugué à l'imparfait et le deuxième au conditionnel. Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à notre chaîne et retrouve-nous sans plus tarder sur notre site internet passeducation.fr et également sur les réseaux sociaux. À bientôt!